Bonjour les amis, comment allez-vous? Ici toujours le gratteur fou à gratter des tickets de la Française des Jeux. Eh bien j'espère que vous allez bien, eh bien moi ça va. Mais écoutez, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour parler du fameux jeu solitaire, avec un montant maximum à gagner de 25 000 euros. Alors, le solitaire. Toujours pour me référer au tableau des lots qui est inscrit donc à l'arrière du ticket, j'ai reproduit ce tableau un petit peu plus grand, histoire qu'il soit lisible, car là c'est pas évident de lire ces petits hiéroglyphes. Alors donc nous allons analyser les chances et le potentiel de gain qu'a un joueur de gagner à ce jeu, le solitaire. Alors, sur une base de 4 500 000 tickets imprimés, concernant le montant des lots à 2 euros, il y a 604 008 tickets gagnants à 2 euros pour 4 500 000 tickets imprimés. Ce qui nous laisse donc une chance de 13,42 quelque chose pour 100 chances de gagner ce gain. Concernant les lots à 4 euros, eh bien là, il y a 474 000 tickets gagnants, toujours sur 4 500 000. Donc ce qui nous laisse 10,53333, etc., pour 100 chances de gagner ce lot. Concernant les lots à 6 euros, bon là, ça diminue un petit peu le potentiel de chance quand même. Il y a seulement 112 504 tickets gagnants imprimés, ce qui nous laisse quand même des chances relativement intéressantes. À plus de 2,5% de chance de gagner ce gain de 6 euros. Voilà. Alors dès qu'on augmente un petit peu à 12 euros, là ça se diminue un petit peu. Toujours sur 4 500 000 tickets gagnants, et bien là il y en a 35 830 de tickets imprimés gagnants. Donc ça fait 0,79622% de chance de gagner ce gain de 12 euros sur 4 500 000 tickets imprimés. Concernant les lots de 20 euros. Là, il y en a un petit peu plus que 12 euros. Un petit peu plus du double, disons. Là, il y avait 35 830 lots gagnants pour 12 euros. Là, pour 20 euros, il y a 79 400 tickets gagnants. Ce qui nous laisse une chance de 1,76444, etc., pour 100 chances de gagner ce gain. Concernant les lots à 100 euros. Alors là, ça se corse un peu quand même, parce que là, quand même, la Française des Jeux, ils auraient pu faire un petit peu plus fort, mais bon. Sur 4 500 000 tickets imprimés, eh bien, il y a seulement 600 tickets gagnants. Voilà. Ce qui nous laisse donc 0,01333333, etc. pour 100 chances de gagner ce gain. Voilà, donc c'est pas gagné. Alors dès qu'on augmente par la suite à une tranche supérieure à 1000 euros, eh bien là il y a seulement 8 tickets gagnants sur 4 500 000. On va dire que ça va faire à peu près 2 tickets gagnants par million de tickets imprimés. Enfin, c'est pas gagné. Alors je disais 8 tickets gagnants sur 4 500 000 tickets imprimés, ce qui nous laisse une très faible chance de gagner ce gain de 0,00017777777, etc. pour cent de chance de gagner ce gain. Alors là, c'est pas gagné. Concernant le top jackpot, qui est à 25 000 euros, bon, et eh bien là, le rare chanceux qui arrive à avoir ce ticket, eh bien franchement, félicitations. Parce qu'il y a seulement 3 tickets gagnants. 3 tickets gagnants imprimés sur 4 500 000 tickets au total. Alors là, ça nous laisse des chances relativement très faibles à 0,00006666, etc. pour cent de chance de gagner ce gain. On va dire, eh bien, bonne chance. Voilà. Bon, mais dans tous les cas, je vais me souhaiter bonne chance. Donc, en grattant cette première carte de jeu solitaire. Bon, ici, j'en ai 10. 10 à 2 euros, et bien ça me fait donc un achat de 20 euros. J'ai donc pour 20 euros de tickets solitaires. Est-ce que je vais gagner plus ou moins ou rien du tout? C'est ce que nous allons voir. Alors, numéro compte double, numéro gagnant. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Le 5, 32, 35. Alors, le 5, ben, j'ai déjà gagné 6 euros. Ben, c'est pas mal. J'avais quand même 2,5% de chance de gagner. Donc, j'ai pas à me plaindre. Alors, j'avais dit le 5, 6 euros. Le 35, 6 euros. Ben, ça me fait 12 euros. Ben, c'est pas mal. Et le 32, 4 euros. 12 et 4, 16. Ah, ben, 16 euros déjà. Là, c'est franchement, c'est pas mal. Disons qu'au premier grattage du premier ticket sur 20 tickets, je me rembourse pratiquement
ma mise d'achat de tous ces tickets au total. Voilà. Alors, est-ce que j'en ai pas oublié un? Eh bien, je crois pas. Tac, tac, tac. Non. Voilà. Donc, un petit ticket gagnant. Disons que ça commence bien. On va voir pour la suite. Ah, puis il y a le 32 qui compte double. Apparemment, fois 2. Donc, 32, 4, ça fait 8 euros. 6 et 6, 12. Et 8, 20. Eh bien, voilà. Déjà, je me suis remboursé. J'avais mal lu. J'avais pas capté le numéro compte double. Alors, on va continuer. Voir un peu si je peux avoir des gains intéressants. Alors, quel numéro? 7, 15, 21. Alors, 7, 15, 21. Bon, là, apparemment, je vois pas de numéro gagnant. Si je me trompe pas, non, je revérifie. On sait jamais si je passe à côté d'un petit 25 000 ou d'un petit 1000 euros, mais je pense pas. Voilà, un petit ticket perdant. Alors, on va attaquer le troisième. Alors, qu'est-ce que nous avons là? 18, 30, 11. Ah, 11, 18, 30. Eh ben non. Encore un petit perdant. Alors, on va attaquer le quatrième ticket. Alors, vais-je trouver quelque chose d'intéressant là-dessous? Nous allons voir 4, 26, 28. 4, 26, 28. Et bien rien du tout. Alors là, le 25 avait 25 000 euros, mais j'ai le 26. Donc j'ai gagné le droit de rejouer. Voilà. On va attaquer le ticket suivant. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir là-dessous? Est-il gagnant? Est-il perdant? Alors, 6, 18, 24. 6, 18, 24. Eh ben non, je vois rien de gagnant apparemment. Donc là, j'ai gagné le droit de rejouer. Hop. Allez, on va poursuivre. Trente-quatre, trente-six. Ah ben il y a déjà le 34 avec 2 euros. 11, 34, 36. Ben, il y a uniquement le 34 à 2 euros. Bon, c'est toujours ça. Donc ça me fait déjà 22 euros de gain. Là, je gagne 2 euros comparé à mes 20 euros d'achat total de mes 10 tickets de solitaire. Voilà. Alors, on va poursuivre. Ça, c'est le sixième ticket. Alors, vais-je être heureux en voyant un petit gain? 19, 35, 37. 19, 35, 37. Eh bien non, rien du tout. Allez, encore un petit ticket. Je vais bien quand même en avoir encore un petit gagnant quand même. Il faut espérer avoir un petit peu de chance. Alors, quel numéro j'ai découvert là-dessous? 16, 25, 32. 16, 25, 32. Eh bien non, eh bien non. Ah, le 15, il y avait un petit 100 euros, mais j'ai le numéro 16. Ah, 16, 25, 32. Eh bien non. Rien d'intéressant. Allez, on va attaquer le 9e ticket. Bon, est-ce qu'il va me donner un petit truc intéressant? 18, 26, 30. Alors le 26, déjà 2 euros. Hop. Le 30, 2 euros. 18, 26, 30. Bon, bah 4 euros de gain. C'est pas mal. J'ai pas à me plaindre. Bon, dernier petit ticket. Ça, c'est le 20e.
Alors, 6, 29, 19. 6, 29, 19. Ils ne sont pas là. Là non plus. Et là non plus. 6, 19, 29. Un petit ticket perdant. Bon, quand même, je n'ai pas trop à me plaindre. J'ai acheté 10 tickets de solitaire à 2 euros l'unité, donc ça fait 20 euros de gain. Alors, j'ai quand même eu quelques tickets gagnants. Alors, celui-là, je disais 26, 18, 30. 4 euros. Le 26 et le 30. 2 et 2. Alors, 36, 34, 11. Alors, 34, 2. Là, j'avais 2 euros. Et là, 5, 32, 35. Alors, le 35. Le 5. Et le 32, voilà. 32 qui comptait double. Alors est-ce que là j'avais un numéro qui comptait double? Non. Hop, le 34. Ah ben ici le 26, oui, compte double, 4 euros. Donc là ça me faisait, je disais, alors 6 et 6, 12. Et 8, 20. 20, donc j'avais un numéro compte double. Où c'est que je l'avais vu? 20, tac, tac, tac. 22 avec le 34. 22, 24, 26. Bon, ben voilà, 26 euros de gain. Donc, j'ai gagné 6 euros sur 20 euros d'investissement. Ce qui est quand même, on peut dire, un petit peu rare avec la Française des Jeux. Voilà. Alors, on va rejeter un petit coup d'œil à ce petit tableau des gains. Si vous voulez vous faire une idée du nombre de lots gagnants. Alors sachez que ces montants que je reproduis sur tableau sont exactement les mêmes tables des lots officielles qui sont inscrites à l'arrière du ticket solitaire. Voilà. Ça nous laisse donc une petite estimation des chances qu'on a, du pourcentage de chances qu'on a de gratter un ticket gagnant. Voilà. Bon, ben sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le jeu solitaire de la Française des Jeux vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain jeu à gratter. Allez, salut les amis!